Oui, j'ai la connexion. N'est-ce pas? Ça veut dire pourquoi? Vous ouvrez une fonction. Mais puisque la programmation ici, votre logiciel C++ ne reconnaît pas le main, c'est pourquoi tu as initialisé cela. Donc tout ce que tout ce qui ne se trouve pas dans le standard sera maintenant initialisé avec le int. Il y a un lieu là où on écrit run en bas. Run. À côté de 0. Et puis on a fait, je pense, une flèche comme ça. Oui. Ok, oui. Ça veut dire fait marcher pour toi. Il y a deux types d'analyseurs. Il y a interpréteur et compiler. Normalement, interpréteur, c'est quoi? C'est l'un après l'autre. Tant que je ne finis pas d'analyser cette ligne, je ne peux pas passer à cette ligne. Et là, vous êtes capable d'écrire un simple code. C'est avec votre téléphone. Vous pouvez écrire un simple code, on ouvre une fonction, en écrivant peu importe ce que vous voulez ici. Vous pouvez dire juste affiche. Ok? Affiche-moi ce mot-là. Il affiche. Il y a les entiers et il y a les décimales. Ok? Si tu veux par exemple appeler un nom entier, ok, et puis tu pourras dire double en anglais, tu fermes. Pourquoi double? Double c'est pour les nombres avec eux. Int, que tu peux mettre, puisque quand je dois faire l'addition, tu auras un nombre avec eux. Tu dis directement double, ok, en anglais c'est simple. Reconnais ce mot simple. Et puis tu peux maintenant utiliser le simple sans pourtant mettre encore double, parce que tu l'as déjà reconnu. Je veux demain, j'ai fait exprès de ne pas ajouter tout ça. Ok? Avec vos téléphones, faites-moi ceci. Ok? D'ailleurs, je relève ça. Je dois avoir ça dans vos cas. C'est bon? Ça me semble minuscule. Donc, ne dites plus, je n'ai rien fait en Angleterre. Vous êtes déjà en Angleterre. Oui, nous sommes là, on vient de faire, on peut dire, l'informatique. Et on a appris comment faire les programmations. On a appris les langages. On peut utiliser facilement la programmation. Il y a le langage C++, il y a le langage Python, qui est le langage humain. J'ai appris que même à travers nos téléphones, on peut faire des programmations à partir des applications que nos téléphones. C'est-à-dire que même WhatsApp, toute application, on peut faire des applications, et non seulement à travers les ordinateurs. Thank you.